Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes, c'est Muriel, voyante, tarologue, chamane, et nous sommes aujourd'hui le 12 septembre, mardi 12. J'espère que vous allez tous bien, et aujourd'hui je vais regarder, je vais faire ma Madame Météo. Je vais regarder, parce que ça commence un peu à bouger, qu'est-ce que nous prévoit la météo pour l'automne 2023 en France. Parce qu'apparemment, ça en vient d'essuyer un orage, moi je peux vous dire qu'il est... Quelle heure il est chez moi là? 2h, 14h, et j'ai la lumière allumée. C'est un truc de fou. Mais ça fait du bien, il fait 23 degrés, on ne va pas se plaindre. Ah mon Dieu, je n'en pouvais plus de cette chaleur. C'était horrible, ça a arrosé. Alors là, ça a arrosé, parce que je voyais l'eau qui montait. À un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Non, non, ça s'est calmé, la terre a bien bu, et tant mieux. On a eu un très très bel orage. Mais là-haut, moi, on m'a dit quand même de regarder pour l'automne 2023 au sujet de la météo, parce que j'ai l'impression qu'elle se déchaîne et qu'elle commence à se déchaîner déjà pas mal. Tout ce qui est, quand je dis la météo, c'est tout ce qui est cataclysme, bien sûr, tremblement de terre, inondation, tempête, tsunami et compagnie. Ça bouge autour de chez nous. La France est encore un peu préservée, mais alors le reste, hein, en Libye, beaucoup de problèmes en Libye. Renseignez-vous, vous allez voir, il y a une énorme tempête avec énormément de personnes disparues. C'est horrible, hein. On va encore prier pour eux et prier aussi pour le Maroc et quasiment pour le monde. Vous voyez, malaise quand même qui tombe, hein. Il y a le malaise un peu partout, hein. C'est pas facile et c'est pas facile pour moi non plus de vous annoncer toutes ces choses. Je préférerais vous dire que tout va bien et que tout est bien. Ma caméra déconne d'ailleurs, c'est peut-être l'orage qui fait ça. Ça fait fort, pas fort, fort, c'est bizarre, la lumière est bizarre. Alors... Est-ce qu'on va avoir beaucoup de catastrophes naturelles pour l'automne? Eh bien, écoutez, je regarde avec vous. Hein. Est-ce qu'on va avoir beaucoup de catastrophes naturelles pour l'automne? Est-ce qu'on va avoir beaucoup de catastrophes naturelles pour l'automne? Là, vous avez une naissance de quelque chose et on nous l'annonce quand même sous un léger retard. Mais apparemment, l'été va se poursuivre, la chaleur un petit peu comme ça jusqu'en octobre. Moi, je vois qu'en octobre, le froid arrive d'un coup. Le froid vraiment arrive d'un coup. Pour ceux qui ont des cheminées ou des poêles, on va être obligé d'allumer d'un seul coup. On ne dirait pas comme ça, mais ça va passer peut-être de 24 degrés, 23 degrés à un matin à 2 ou 3 degrés. Vous voyez, même peut-être avec des températures négatives tout de suite comme ça sur le mois d'octobre. Vous allez voir. En attendant, c'est vrai que ce 23, c'est agréable. Alors, est-ce que nous allons avoir des problèmes de météo déchaînés, des choses, on me l'a demandé, surtout les gens ont très peur des tremblements de terre en ce moment, on me l'a demandé, donc je vais regarder avec vous, est-ce qu'on va avoir des problèmes de météo qui se déchaînent, d'éléments qui se déchaînent pour l'année, l'automne 2023. La trahison renversée, c'est-à-dire que tout s'y met, alors après vous avez les gouvernements qui continuent de mentir, vous allez avoir... des problèmes de maladies qui reviennent, il y aura le coco, il y aura certainement des choses aussi à faire, ils vont peut-être remettre les vax, pour moi les vax, ils vont les remettre, peut-être pas obligatoires, mais ils vont les remettre, ils vont nous faire encore de la publicité pour les remettre. Vous avez la grâce de Dieu ici qui nous protège, et une des meilleures cartes des tarots, la carte bleue, donc on est quand même beaucoup protégé, il ne faut pas voir que du négatif, hein. Il y a quand même des grosses protections qui arrivent. Je vous ai toujours dit que c'était une guerre contre le bien et le mal. Ben là, on a quand même le bien qui arrive aussi. Il n'y a pas que le mal. Hein. Heureusement, heureusement. On nous apprend. Ben, tout ça, ça va nous apprendre la sagesse. Mais c'est sûr qu'on voit pas mal ici de toujours des décédés, des choses. On voit beaucoup d'eau, surtout de l'eau. Vous voyez, il y a beaucoup d'eau, beaucoup de... Il y aura des tempêtes. Il y aura... D'ailleurs, je voyais une grosse tempête en France. Moi, elle n'est pas encore arrivée, mais elle ne serait tardée. Oui, une grosse tempête. Alors, pas comme 99, hein, rassurez-vous, mais il y aura quand même une belle tempête, quand même. La renommée, l'élévation à l'envers, et puis beaucoup de découvertes. Ça, si, ça, c'est moche. Ça, on va recouvrir ici. Est-ce qu'il y aura beaucoup de problèmes d'éléments à venir? Pour moi, oui, je le vois même sans les cartes. Hein, il y aura beaucoup de... Moi, la Vierge Marie me demande de prier. Alors, c'est pas tout le temps. Mais quand elle me demande de prier, c'est qu'il va se passer quelque chose, en général. Et là, en ce moment, on me demande de prier. Alors, voilà. On a l'impression aussi... Alors, si vous regardez la télé, moi, je regarde quand même de temps en temps, hein, ne serait-ce que les titres. Hein. Actuellement, c'est que le Maroc. Le Maroc, le Maroc, le Maroc, le Maroc. Et on a... Ce qui est normal, hein, les pauvres. Hein. Et ça va être recouvert. L'annonce qu'ils font sur BFM et CNews et compagnie, ben, d'un seul coup, ça ne va plus être le Maroc. Ça va être quelque chose de plus gros encore qui arrive là. Il y a quelque chose de plus gros qui arrive. Mais je ne sais pas ce que c'est.
Mais on me le dit là-haut, moi, ça va. Hop! Il va se passer encore quelque chose d'important. Il va se passer encore quelque chose d'important. Réussite pour nous dans le futur. Parce qu'on va quand même vers un meilleur. Hein. Mais là, on est dans le pire. Donc, on est dans le pire. Vous voyez, la ruine, des éboulements, des tremblements de terre, beaucoup d'eau, beaucoup. Moi, je vois beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Ça crée des handicaps, ça crée des maisons. Moi, je les vois là. Je vois des gens hors de chez eux. Il y a, même en France, hein, il y aura beaucoup de gens sinistrés. Il y aura beaucoup. C'est moche ce que je dis, mais on le voit ici. L'infortune aussi, problème financier important. Hein. La gloire du Seigneur, la gloire du Père ici, avec la clé qui déverrouille tous les problèmes de notre vie. Cette carte est très, 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 très douée. Ça, cette carte est très bonne, je veux dire. Elle est douée aussi, mais elle est très bonne. Ça veut dire qu'on a les instruments, on a les clés pour pouvoir s'en sortir. Il faut être prévenu, c'est tout. Il faut être prévenu. Éviter d'habiter très très proche de la mer, éviter d'habiter très proche d'un cours d'eau. Puis si vous habitez très proche d'un cours d'eau, ben peut-être qu'il ne vous arrivera rien. Priez, priez pour la protection des maisons, pour la protection de votre jardin, même de vos animaux. Priez. On nous l'annonce bientôt, ça, on nous l'annonce au présent ici. Actuellement, on vit une inconstance. Et cette carte représente aussi la carte de la tempête, la carte des vents violents. On me dit des villages, moi. Il y a des villages, des villes qui aura beaucoup de matériel de cassé. Beaucoup de... Cet automne, hein, ce n'est pas dans 20 ans, hein, c'est là. Hein. Vous le verrez d'ailleurs. Hein. Vous le verrez d'ailleurs. Le bonheur, par la suite, la réussite avec la sagesse. Ça va nous apporter la sagesse, tout ça. Il faut qu'on passe par là. Hein. On voit la sagesse ici. Et l'union, bien sûr, et l'union représente aussi les grèves et tout ça qui vont quand même après continuer. Alors, j'ai pas de bonnes nouvelles non plus pour le gazole, j'ai vu ça à midi, mais pour moi, le gazole, il va pas diminuer, hein. Le gazole, l'essence, tout ça va peut-être stagner, ça ne fera après que d'augmenter, parce que qu'est-ce qu'ils veulent? Ben, ils veulent qu'on se mette tous à la voiture électrique, hein. Donc, ça les arrange pas de diminuer le gazole, hein, ni l'essence. Voilà ce qu'on peut voir. Donc, il va y avoir quand même beaucoup cette année en France. Alors, je vous raconte pas dans les autres pays, nous, on est encore privilégiés, hein. Voilà ce qui va se passer un peu en France. On va avoir un automne un peu comme les autres automnes, si vous voulez, mais en aggravé. Il y aura plus de pluie, il y aura plus de grêle, il y aura plus de neige, il y aura plus de froid, en aggravé. Il fera froid aussi, il fera froid cet hiver, très froid. Bon, en parlant de froid, moi, on me parle de l'Amérique. Et l'Amérique aura une période très froide. New York, tout ça, ce sera très 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 froid. Et alors au-dessus, bah, le Canada, très 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 froid aussi. Mais New York, il y a des problèmes avec New York. Très froid, beaucoup de neige, beaucoup de froid. Froid polaire pour eux, froid polaire pour eux. Après, nous, on aura du froid, on aura un hiver peut-être à moins 3, moins 4, je ne sais pas, ça dépend où vous êtes. Hein. Par exemple, vous voyez en Charente-Maritime, moins 4, c'est froid déjà. Maintenant, si vous prenez l'Est, moins 4, c'est normal. Vous voyez? Mais il fera froid, il fera froid. Et le froid va venir d'un seul coup. Pour moi, octobre, le froid, fin octobre, on allume le poêle fin octobre. Voilà. Et peut-être tant mieux pour moi, mais j'aime pas la chaleur. Donc moi, ça me va très bien. Moi, ça me va très bien. Je suis égoïste aujourd'hui, je suis égoïste. Oui, bon, bah, c'est pas catastrophique non plus, il faut le savoir, c'est tout. Hein. C'est vrai que là, bon, voilà. Moi, la Vierge Marie me demande de prier en ce moment, c'est qu'il va certainement se passer quelque chose d'important. Donc il faut prier, il faut prier. Je vous embrasse tous et attendez, j'ai une bonne nouvelle, j'ai 17 000 abonnés. Bravo, merci à vous. Merci à vous, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Merci mes nouveaux abonnés, merci mes anciens. Vous pouvez liker ma page, la partager et bien sûr vous abonner. À bientôt. Bisous, bisous, à demain. Je vous aime, au revoir.